L'homme vit avec son temps en évoluant à son rythme, et ce, depuis la nuit des temps. Ah, on parle de moi? Le temps, c'est moi. Oui, enfin, c'est quand même moi qui raconte l'histoire. Bon, ça va. De toute façon, je ne fais que passer. C'est ça. Observons le temps qui passe. Moi, trouver temps magnifique. Oh, merci. À l'aube de l'humanité, les premiers hommes vivaient en harmonie avec la nature et savaient apprécier le temps présent. Ah, c'est bon prendre le temps. Malheureusement, les hommes commencèrent peu à peu à ne plus prendre le temps de vivre paisiblement. C'est le jour du marché! Venez voir mon beau poisson! Non! Mon poisson, il est pas cher, il est bien! Venez! Venez voir mon poisson, ma belle Dora! C'est le jour! C'est aujourd'hui! En garde, mécréant, tu m'as déshonoré! Quoi? Moi? Oh! Oh! Mais où est mon prince? Il en met du temps. Du temps? Du temps? On parle de moi? Mais qui êtes-vous? Oh, et puis j'en ai marre d'attendre. Oh, je crois qu'on commence à m'oublier. Aujourd'hui, les hommes courent après le temps. Mais parfois, c'est le temps qui rattrape l'homme. Si bien qu'au final, l'homme cherche à contrôler le temps. Ça y est, les hommes ne prennent plus le temps de vivre ni de regarder les choses. En effet, l'évolution de la société ne laisse plus de temps libre. Il faut aller plus vite, encore plus vite, toujours plus vite. Plus vite, plus vite, dépêchez-vous, je suis en retard, Je suis pressée. Le dentiste. Non, le coiffeur. Et le boulot. J'y vais, j'y fonce. Envoie-le-moi. Et maintenant, une question se pose. Dans le futur, prendrons-nous enfin le temps? Espérons que nous saurons apprécier les petits instants de bonheur du quotidien. Moralité, prenez plus le temps pour mettre du piquant dans votre vie. Piquant.